Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek. Alors pour vous, on sera lundi, pour moi on est dimanche, comme ça je prends un petit peu d'avance. Et oui, bon, allez, comme toujours, vous connaissez le principe, les fabricants nous proposent de nous envoyer des produits. On leur demande pas d'argent, on garde juste le produit. Mais en échange, bah, nous on sera intransigeant. C'est-à-dire que si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, bah, on vous le dira. Vu qu'on leur demande pas de thunes, on va faire ce qu'on veut. Voilà, la seule aventure qui tourne au café, je vous rappelle, vous pouvez rejoindre la grande famille de tipeurs en nous offrant un café comme ça. T'as envie de dire merci, tu peux mettre un pouce en l'air ou me payer un petit café sur Tipeee, par exemple. Un petit euro comme Sarah, tu vois, ou un petit café gourmand. Ça fait toujours plaisir. Allez, la marque qui nous a proposé de nous envoyer un produit, c'est la marque Jason Case. Ça fait très Jason Bourne. Voilà. Bon, Jason Case nous ont proposé. Alors, ils nous ont dit, voilà, on a un gros site, machin, un truc. On a plein d'accessoires. Alors, bon, moi, je n'ai pas de iPhone, on n'a pas de Samsung, on n'a pas de rien. Donc, je regardais un peu. Bon, ils ont plein de produits. Avis aux amateurs, hein. Qui sont assez quali apparemment, donc voilà, on s'est dit, bah tiens, nous, celui qui m'intéressait, qui était apparemment le plus innovant pour moi, c'était celui-là, en fait, c'était le modèle pour iPad. Alors, je vais vous enlever, parce que du coup, il y a l'éclairage, alors, case pour iPad, machin et tout, parce que avec le reflet, ça fait un peu, l'éclairage, ça fait un peu dégueulasse, voilà. Donc, du coup, c'est une coque, alors, ça fait écoque de protection pour mettre votre iPad, donc ça, c'est quand même plutôt mal. Alors, c'est iPad Pro, le petit et le gros, hein. Bah oui, je fais de la rime sans le faire exprès. Alors, on a soit le choix entre 9,7 pouces ou 10,5 pouces. C'est toi qui choisis. Voilà, pour iPad Pro. Donc, du coup, ça fait coque et ça fait rabat de protection pas mal. Et le petit détail qui va, à mon avis, convaincre la majorité de ceux qui en ont un et qui auront peut-être investi dans le stylet, c'est que tu peux mettre le stylet dans la coque parce que je sais pas où tu te le mets, le stylet. Pas besoin de me mettre en commentaire. Il vibre pas, puis il est pas étanche. Alors du coup, tu peux le mettre là, et donc du coup, il est plutôt protégé. Alors eux, ils nous expliquent quoi ? Environnement microfiber liver, nanana, donc microfiber liver, high quality microfiber. Ultra PU liver and ultra case. Donc c'est vraiment du cuir. Bon, c'est du cuir, voilà quoi, c'est de la vache chinoise. Quoique j'ai vu lundi investigation, attention hein. Tout vient de là-bas. Magnetic Smart, donc t'as un truc magnétique quand tu l'ouvres, bon ça déverrouille. J'ai pas de iPad, hein, je fais semblant, hein, je laisse votre imagination travailler. Toi, t'imagines qu'un iPad, que tu l'ouvres, hop, il est déverrouillé. Fais voir, elle rentre ma Aldo Cube ou pas? Je suis en train de tester la Aldo Cube là pour GLG Review. Voilà, regarde, bon, hop. Bon, là, ça marche pas. Mais bon, voilà, t'auras compris un peu l'idée. Beautiful Craft, nanana, spécial bouton, donc tu peux, t'as accès au bouton sur le côté, ça c'est quand même un petit peu normal. Magnétique, ça fait deux fois, donc c'est bon. Donc du coup, tu peux juste regarder. Ah, c'est pas mal. Bah, c'est pour voir si ça marche. Lui, il te dit, tu prends le truc et tu fais. Alors bon, t'imagines qu'il y a un stylet. Voilà. Mais fais travailler un peu ton imagination, merde. J'ai pas de iPad. À moins que le premier qui va m'envoyer un iPad Pro, je suis preneur, hein, je ferai des belles vidéos et tout. Donc, ici, c'est vrai, c'est pas faux, ça fonctionne. Le pen, on a mis. En deux mots. Hein. En deux mots. Là, c'est bon. Tu vas pouvoir le mettre en mode triangle comme ça. Pas mal. Ah, pas mal. Ah ouais, bien. Ah ouais. Ah, c'est bien. Ah, c'est quali quand même, ça va. Multi-hang drop. D'accord, donc tu peux le faire tomber par terre. Pas trop, hein. Pas trop. Wide video mode. Alors, du coup, bon, c'est le même délire que là, fais voir. Voilà, ah, pas mal. Pas mal. Ah oui, quand je fais la cuisine. Non, je déconne. On fait rien du tout. Watch video, donc là, on vient de le faire. Et le multi-stand. C'est pas mal, ça. Là, open wake up, close. Sleep, d'accord. Donc ça, c'est le magnétique X-Men. Voilà, hop, tu l'ouvres. Hop, tu regardes. Hop, tu refermes. Ça, c'est bien. Ah, d'accord. Donc ça, tu sauves de la batterie. Accès au connecteur de charge. Bien. En marron figue châtaignier ou en noir sombre nuit étoilée. Avéable couleur et tout. Non, bah en fait, du coup, bon, le produit est quand même plutôt sympa. Ça va, il est assez quali, hein. Alors, je sais pas si tu vas le voir. Tu peux le voir bien, c'est la même caméra en même temps. Non, c'est bien. C'est un beau petit produit et tout. Bon, la douloureuse. 27$. Oh, attendez, je vais demander. Ok, Google. Combien ça fait 27$ en euros?
$27 des États-Unis équivalent à environ 23,33 euros. 23,33 euros, me dit Google. Je suis désolé pour tous ceux qui ont un Google et qui ont eu du coup la conversion en temps réel. 23 euros, free shipping, en noir ou en noir sidéral laqué piano ou en marron. Pour iPad 10, pour le iPad 9.7, c'est moins cher. Enfin, les deux couleurs. Bon, je vais demander. Ok, Google, combien ça fait 25$ en euros? 25$ des États-Unis équivalent à environ 21,60 euros. 21 euros ou 23 euros. Voilà, tu trouveras le lien dans la description si jamais tu veux les acheter. Ça leur fera plaisir. Ils m'enverront certainement d'autres trucs si vous achetez. Si vous n'en avez rien à branler, que personne n'achète, c'est peu probable qu'on en reçoive. Mais le produit est bien. On n'a pas dit du mal. Et tu peux mettre le stylet, le stylo, le pen en même temps, je veux dire. Voilà, Jean-Marie, rentre là-dedans. Bon, paix et prospérité, bonne journée, comme toujours, amour et partage, t'aimes la vidéo, amour en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, en partageant sur les réseaux sociaux, par exemple, ah non, c'était amour avec un petit like, partage avec les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, et pouce en l'air si t'aimes la vidéo, pouce en bas si tu n'as pas aimé la vidéo. Je sais qu'on a une tripotée qui vient tous les jours mettre un pouce en bas, je suis même pas sûr qu'il regarde la vidéo, mais il n'aime pas. C'est officiel. Allez, paix, prospérité, un petit café, un petit like. Moi, je te donne rendez-vous ce soir pour le replay de la quotidienne à 16h. On parlera film, série télé. Je suis allé voir Venom. Je sais pas si tu vois, ils nous ont donné des gobelets de coca en forme de Venom. Voilà, c'était cadeau. Voilà, comme ça. On était voir Venom, on a téléchargé pas mal de séries. On en parlera demain. Et puis après, les news high-tech de la journée. Comme toujours, comme tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 16h. Et le matin, du déballage. Mais là, on commence bien. Non, c'est bien, sympa. Ils m'ont plus qu'à acheter un iPad maintenant. J'aurais préféré l'inverse. Qu'ils m'offrent le iPad et que j'achète la housse en silicone. Paix et prospérité, bonne journée, à ce soir. Sinon, à demain. Bye bye.